Sur le parvis de la mairie de Levallois, les habitants ne parlent que d'une chose, la sortie de prison de leur mère. Je suis folle de bonheur, parce que je l'adore, je le vénère, c'est un homme vraiment très bien. Je suis contente que M. Balkany sorte de prison. Oh oui, bien sûr, parce qu'il n'avait rien à faire en prison. En 30 ans, Patrick Balkany s'est forgé un capital sympathie inébranlable au sein de ses concitoyens. Ses ennuis judiciaires, les Levalloisiens ne veulent pas en tenir compte. Ce qu'ils retiennent, c'est la bonne gestion de leur ville. J'ai habité Levallois avant Balkany. Et on s'aperçoit quand même que quand il a des responsabilités à ce niveau-là, il les gère bien parce que demander à la majorité des gens qui sont ici habitant Levallois s'ils sont satisfaits du maire ou pas. Aujourd'hui, ils ont l'air d'être quand même particulièrement satisfaits. Ses fautes sont personnelles, ça ne regarde pas la ville, donc il n'a rien à faire là-bas. Après un bref passage dans sa mairie de Levallois, Patrick Balkany est parti se reposer ce mercredi soir dans sa maison de Giverny.